Voilà. Attention, on va commencer tout de suite. Vous êtes prêts? Il a pas dit attention, le... je vous en prie. Depuis la mort de sa petite sœur, Petula a peur de la vie. Passe à continuité des chantiers, monter dans un ascenseur, traverser un feu rouge. Et son passe-temps favori est de collectionner divers et morts. Au lycée, elle fréquente l'atelier Art. Bonjour à tous, je suis Betty. Tenez, servez-vous. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau venu parmi nous, Jacob. Bon, alors, pour ce nouvel atelier, j'ai une idée absolument géniale. Oh non, pas encore un nouveau truc de bébé. Écoute, Poula, je vous ai déjà dit d'avoir un esprit plus ouvert. Pour vous délivrer de vos problèmes, je vous propose qu'on écrit sur une feuille, qu'on plie en forme d'avion et on les lancera dans la cour. Qu'est-ce que t'as écrit sur ton papier, Poula? Et alors, moi je te demande, c'est quoi ton problème, l'homme bionique? Tu peux m'appeler Jacob, s'il te plaît? Figure-toi qu'en revenant d'un match de basket, mes deux amis et moi avons un accident de voiture. Je suis le seul survivant. Bon, bah oui, je suis alcoolique. Et qu'est-ce que ça peut faire? J'ai pas bu une goutte depuis un siècle. Non, deux mois. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Hé, hey, t'as entendu tous les deux? J'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans. Elle s'est noyée. Mais le pire, c'est que je suis même pas allée à son enterrement. Et toi, que tu l'as? Comme d'habitude? Tu as été comme un tortillard maintenant? Je n'en ai évité qu'un, et d'ailleurs, vous devriez en faire autant. Non, mais vous savez le nombre de personnes blessées ou encore pire, décédées parce qu'elles sont un petit peu trop approchées d'un chantier? Enfin bref, pour moi, dans ma vie, il faut être pessimiste. Wow, quand même! Faut pas lui en vouloir, depuis la mort de sa petite sœur, elle a peur de tout. Coucou maman, je suis rentrée. Oh, coucou ma chérie. Tu as encore adopté deux chats. Tu sais comment il va réagir. En plus, il arrive. Quoi? Tu as encore adopté des chats? Bah oui, alors. Mais tu comptes en, tu comptes en adopter combien encore? Commencez pas à vous disputer. Ce livre a été écrit par Susie Nielsen. Il est sorti en 2017 aux éditions Helium. Il y a des moments drôles, mais ça reste dramatique. Ce roman est intéressant. On a envie de le relire à l'infini, tu lire une suite. Oui, l'histoire a coûté une. Il est touchant, mais pas déprimant. On s'attache au personnage. Oui, c'est facilement. J'ai adoré l'intrigue et je trouve que c'est très bien écrit. Lisez-le, c'est un super livre.